Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la cinquième recette de salade. Donc, sans plus tarder, on commence avec la recette. Donc là, on va venir couper des petites tomates cerises. Je vais les couper en quatre. Ensuite, on va venir couper une demi-échalote. Puis, je vais venir les mettre dans un bol pour pouvoir faire une petite vinaigrette. Donc, encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne. Donc aujourd'hui, on est dans la cinquième recette de salade. Il nous en reste plus que deux. Donc merci encore de regarder. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc là, je vais venir mettre un peu d'huile d'olive. Du vinaigre de cidre de pomme, du sel, et un mélange de 5B. Je mélange le tout et je le mets de côté afin de dresser mon assiette. Donc dans une assiette, je vais venir placer de la roquette. Donc comme vous voyez, c'est très simple, c'est très rapide à réaliser. Ça prend moins de 5 minutes si vous avez tous les ingrédients. Donc là, j'ai mis ma roquette. Je vais venir mettre par-dessus la roquette le mélange de tomates et échalotes. Puis je vais venir placer du prosciutto par-dessus. Et au centre, je vais venir mettre ma burrata. Je ne vais pas la découper maintenant, je vais la couper au moment de manger. Donc par-dessus, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Et un peu de mélange de 5B. Et voilà, notre salade est prête. Vraiment, ça prend 5 minutes et c'est très joli à voir. Vraiment, si c'est pour des invités que vous faites ça, ils seront très épatés. Donc là, je vais couper avec vous la burrata. Je vais vous montrer comment ça fait. Et puis, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de partager, like et commenter. On se retrouve demain pour la sixième vidéo de recette. Demeurez bénis. Bye bye.